Bruno Solon. Oh, Sa Majesté Marie-Antoinette, quel honneur. Le roi, mon époux, me dit que vous prédisez l'avenir. Oh, modestement, madame, mais vous savez, connaître le passé, c'est mieux appréhender l'avenir. Oui, justement, j'aimerais bien connaître l'issue de cette regrettable histoire du collier. Tout ça à cause de cet imbécile de cardinal de Rome. Est-ce que le peuple maintiendra rigueur? À se mentir, Majesté, il y aura une petite campagne de calomnie, mais trois fois rien. Oh non, mais c'est terriblement injuste. Déjà que les Français ne m'aiment pas. Ah, j'espère qu'ils finiront par comprendre que je n'y suis absolument pour rien et qu'ils passeront à autre chose. N'est-ce pas, monsieur Solon? Oui, oui, je vous rassure, Majesté, ils vont passer à autre chose. Eh ben, tant mieux. Bruno Solo raconte l'histoire, mais ne la refait pas. Bientôt sur France 5. Non, mais si je fais ça, après, ils vont tous réclamer, je les connais.